Écoute-moi bien, espèce d'enfoiré. Je sors de prison, j'ai rien à perdre. Alors t'as 5 secondes pour me donner tout ton pognon, tout ce que t'as sur toi en liquide ou qui pourrait me rapporter gros sur internet. Sinon je te bute. Allez-y, tiré, m'en fous. Quoi? Non mais ma femme est décédée, ça fait 2 mois que j'essaie de me suicider. Alors tiré, m'en fous. Petit oiseau dans la campagne, petit oiseau n'est pas bien. Petit oiseau sur la montagne s'en va, je sais quand il reviendra. Non mais c'est bon, arrêtez, c'est pas grave. J'en ai marre, même voler du pognon à un pauvre type, j'y arrive pas. Enfin je veux dire, non c'est pas grave. Ça fait 2 ans et demi que je suis au chômage, j'arrive plus à joindre le debout. Vous savez, pour quelqu'un comme moi, de mon âge, sans argent, on peut rien faire. Vous savez, à 20 ans comme à 60, monsieur, quand on n'a plus de pognon, on n'a plus de pognon. Même en amour, ma vie est nulle à chier. Vous, au moins, l'amour, vous l'avez connu. Même si votre femme est morte. Enfin, pardon, je veux dire. Non, c'est pas grave. Et dites-moi, ça ressemble à quoi, l'amour, vous savez, celui avec un grand A? Depuis qu'il est parti, tout a changé en moi. Elle est partie ou elle est morte? Elle est partie sur le merveilleux voilier au voile noir. Bah, elle est morte, quoi. C'était un matin ou une après-midi d'été, peu importe, de toute façon. Le temps s'était figé lorsque je l'ai vue pour la première fois. Elle sortait de son travail à 17h précise. Fallait que je lui parle. Alors, chaque jour, assis sur un banc, j'attendais le moment propice pour me lever et aller la voir. Vous la voyez une fois et comme ça, vous l'attendez tous les jours. Mais c'est pas ça l'amour. Ah non, attendre comme un con sur un banc, c'est pas de l'amour. L'amour, ça va dans les deux sens. Vous êtes allé la voir au moins? Oui, oui, attendez. Au début, je croyais que c'était que dans un sens. Jusqu'à la plus belle chose qui me soit arrivée. Ma gamelle du samedi 10 avril. Quoi? Attendez, je vous explique. En sortant pour aller devant son travail, je vois que j'ai oublié d'acheter des fleurs. Je cours donc chez le fleuriste. Mais en chemin, je me virne magistralement. Comme j'ai mal, je rentre et je me soigne. Je remarque que je suis en retard, donc je cours à mon banc, mais avec précaution cette fois. J'arrive vers le travail et là... Excusez-moi. Vous croyez que je vous avais pas vu? Mais sûr que si, vous êtes en face de moi là. Je parlais du banc. Ça fait 3 mois que vous attendez sur ce banc ma sortie. 3 mois à attendre sur un banc? Mais fermez-la vous, c'est moi qui raconte. Ouais, du coup, je sais plus où j'en étais. Ah oui, ça fait 3 mois que vous attendez sur ce banc ma sortie. Écoutez. Vous êtes blessé? Ah ça, non, c'est une longue histoire. Ah, oh, c'est gentil. Oui, sauf que du coup, j'ai pas de fleurs à vous filer. Oh, pas grave. Et vous êtes fait ça comment? Oh, je pense être aussi maladroite que vous. Je me suis cognée contre la porte. C'est vrai qu'une porte, c'est mieux quand on l'ouvre. On commençait à peine à se voir, lorsqu'un jour, elle est plus sortie de son travail. Quand je suis allé voir une de ses collègues, elle m'a dit qu'elle était morte. C'est fou quand même. C'était pas votre femme? Juste une amourette? C'est pareil. Je la connaissais pas. Je l'avais jamais vue. Juste un regard, un clin d'œil. Un échange, et c'est comme si on avait vécu toute notre vie ensemble. Elle est partie sans dire au revoir. Et le plus drôle,
c'est qu'on s'était rencontrés sans se dire bonjour. Vous savez ce qu'elle a eu? Au mauvais endroit, au mauvais moment, on l'a retrouvée morte chez elle. Comme quand on n'est même plus en sécurité chez soi. Et du coup, pour vous, c'est quoi? La déprime? Ouais. J'ai essayé de me pendre deux fois, mais je me suis loupé. Puis là, j'avais allumé le gaz chez moi et j'ai attendu la mort. Mais en fait, il y avait des sécurités fuites de gaz. Alors j'ai voulu oublier l'échec en fumant et ma maison a cramé. Ouais. Comme quoi, le sort s'acharne. Vous savez, j'ai pas tout perdu parce que depuis, je fume plus, monsieur. Et vous? Pourquoi est-ce que vous avez essayé de me piquer mon argent? J'étais marié, moi aussi. Oh, putain, une belle vie. Mais les choses ont mal tourné. Quand je suis sorti de prison, tout était différent. De prison? Ouais, violence conjugale. J'aimais ma femme, vraiment. Mais elle était devenue complètement insupportable. À table! Ça fait deux fois que je t'appelle! Non mais t'es gonflé, hein! Trois fois il a fallu que je t'appelle! C'est trop difficile de répondre à table! Oui, c'est trop difficile pour monsieur. Ça va? Tranquille? Monsieur a son petit bouquin? Ça se passe bien? Et qui c'est qui fait le ménage, hein? C'est toujours la même! Mais qu'est-ce que tu fais? Mais ça va pas bien! Mais t'es pas en train de pourrir mes fleurs par hasard? Alors moi je me tue, je me mets les mains dans la terre, je suis crade de la tête aux pieds, et toi tu t'amuses à pourrir mes fleurs. Elle était pas comme ça avant, lors de votre rencontre? Pas du tout. Elle était douce, gentille. Puis la vie a fait qu'elle a changé. Ah, vous savez, je vous comprends. On croit connaître les gens, puis en fait, non. Ah, mais moi j'ai jamais été violent. Je suis allé à ces réunions, là, des maris violents, j'écoutais les témoignages, des gars qui frappent sur leur femme. Je suis devenu fou. Un jour, il y a un gars qui m'a dit... Tu sais, frapper sa femme, c'est dans la logique du monde. Regarde la création. Adam et Ève. Bon, ben on dit, bouffe pas la pomme. Eh ben, Ève, elle fait quoi? Eh ben, elle bouffe la pomme. Ah, je te jure, la première femme de l'humanité, elle méritait déjà une tarte dans sa gueule. C'est incroyable que des gens arrivent à penser ça de nos jours. Dites-vous que des malades, il y en a partout. Et ça marche. Je suis sorti du séminaire, frappé sa femme sans laisser de traces sur le corps, et je suis devenu complètement dingue. Bon, alors je l'ai frappé. Puis j'ai regretté. Et elle a recommencé. Espèce de gros sale. C'est pas parce que moi j'ai laissé traîner mes papiers de pansement que toi tu dois laisser ton coton de tige dégoûtant partout traîner. C'est sale, mais t'es... Alors sans emploi, ni revenu, et avec ces débiles qui me déversaient leurs idées à la con dans la tronche... Le tout, c'est frapper vite. Mais bien. J'ai pété un câble. Vous avez tué votre femme? C'est fini. Vous savez, c'est marrant qu'on se soit rencontrés ici et maintenant. C'est comme si le malheur nous avait guidés. Ouais. Faites ces rencontres des fois. Vous devez me prendre pour un fou, non? Bah, évidemment que oui. Tuer sa femme, c'est pas bien. Si c'est embobiné par ses cons. Tu sais, moi, je suis loin d'être con. Mais en même temps, je pense à ma femme. Enfin, je veux dire, imaginons, comme dans votre cas, vous tuez ma femme à moi. Je sais pas si je pourrais vous tuer. C'est vrai? Ah, vous devriez. Si c'était moi, j'hésiterais pas. Je sais pas. La peur, peut-être. J'ai toujours été un peu lâche. Même tu sais, moi, j'y arrive pas. J'ai une idée. Flinguez-moi. Quoi? Ah oui, ce qu'on veut, c'est crever. Vous avez eu les couilles de vouloir vous suicider, pas moi. Alors flinguez-moi, et puis c'est ce que vous enchante, flinguez-vous après. Vous pourrez pas vous louper avec un péto dans la bouche. Je vous tue? Puis je me tue. C'est grâce au malheur qu'on s'est rencontrés. On n'a qu'à le laisser triompher après tout. D'accord, je vais vous flinguer. Ouais, bravo! Merci. Allez, tirer dans le cœur, il a vraiment pas servi à grand chose. Oui, et puis surtout, c'est plus rapide. Vous savez, j'irai en enfer pour ce que j'ai fait, pas vous. Attendez de voir d'abord si ça existe. Si vous croisez ma femme, dites-lui je m'excuse. Vous savez, je pourrais pas la reconnaître, votre femme. Merde, pas con. En tout cas, je raconterai votre histoire à la mienne. Merci. Vous êtes un gars bien. Merci. Vous aussi.
Petit oiseau dans la campagne, petit oiseau n'est pas bien. Petit oiseau sur la montagne s'en va, je sais quand il reviendra. Petit oiseau dans la nature, ivre d'amour et d'air pur. Chante gaiement pourvu que ça dure, ça va, petit oiseau reviendra. Mais le diable qui bat sa femme, après 3 litres de vin, lance furieux de longues flammes sans fin, petit oiseau pleure en vain. La la la.